Salutations, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai pêché en faisant les vide-grenier. J'ai trouvé pas mal de choses, surtout des figurines Pokémon et des cartes. Voilà, donc je vais commencer par les figurines. En premier temps, le petit Reptincelle qui est ici. Je le trouve super bien fait. Voilà, passons aux autres figurines. Alors, j'ai trouvé un petit sac de nœuds, un pois sirène, un salamèche, un miaousse. Normalement, ça c'est les figurines qui sont dans les distributeurs. Normalement, il y a un dôme en plastique. Oh, il n'y était pas. Oh, c'est pas grave. Alors, continuons. Alors, un gros doudou. Un Meladelphe. Un Rafflesia. Hop. Un petit Negapi. Alors, j'ai trouvé aussi deux Florizards mécaniques. Et pour mes préférés, un Tortank qui lance de l'eau par ses canons. Super bien fait ce Tortank. Et un petit Carapuce avec ses jolies paires de lunettes. Je l'ai dit que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Voilà. Alors aussi j'ai eu ça, les petits jetons. Je les ai eu gratos, donc je n'avais pas craché dessus. Voilà. Donc je vais passer aux cartes. Donc les cartes que j'ai trouvées, c'est principalement la série Wizard et la série DX. Alors, je vais enlever tout ça. Ah voilà, le tas de cartes que j'ai trouvé en faisant les vide-greniers. Un joli tas de cartes. La plupart des cartes sont pas trop abîmées. Pourtant en bon état, donc assez content de ces vide greniers parce que j'en ai fait plusieurs en une journée, j'en ai fait pas mal. Alors commençons par le set de base, j'ai trouvé que des deuxième éditions et en faisant les vide greniers, j'étais pas tout seul, j'étais avec mon pote Vincent. J'étais un peu dégoûté parce qu'il a trouvé un Florizarre et un Léviator quasi neuf. Et aussi quelques roquettes, surtout un accolier obscur, que j'aurais bien voulu avoir. Mais bon, on faisait la course à celui-là qui trouverait les meilleures cartes. Bon, je crois même que j'ai perdu. Donc alors, commençons par le set de base. Voilà. Alors, Ami Draco. Un Cartichaud, Verbizarre, Kadabra, Machoper, Nidorino. J'adore cette carte. Enfin, j'adore ce Pokémon tout court. J'ai toujours aimé ce Pokémon. Super belle cette carte. Tetart, Otaria, Abra, Bizarre, Chenipan, Dodio, Fantominus, Magneti, Crisacier, Nidoranmal, Onyx, Roukoul, Titar, Ponyta, Sablette, Carapuce, Staros, Sac de Nœud, Voltorb, Goupix, Aspico, une petite peluche Mélofée, Rappel, et là on passe au jungle. J'en ai trouvé quelques premières éditions, mais la plupart
c'est des deuxièmes. Alors. Alors, un boostiflore, un Evoli, un E9, passe deuxième édition, un Papillusion, Chétiflore, Poissirène, Rondoudou, Férosinge, Nidorane femelle, Piafabec, Mimitos. On passe aux fossiles. Là aussi, je trouvais quelques premières éditions. Alors, en première édition, j'ai eu Cravalanche, Cracaillou, Krabi, Psychoquack, Coquillas, Ramolos, Tentacool, Mystérieux Fossile. Les deuxièmes éditions, Maceralto, De Krabos, Magbar, Abo, Racaillou, Tanorv, Kabuto, un autre petit Krabi, Coquillas, Mystérieux Fossile, un Mystérieux Fossile en anglais. Passons au Néo. Je crois que c'est le truc que j'ai plus aimé à trouver, c'était les Néo. Parce qu'on n'en voit plus beaucoup. Donc j'ai trouvé des 4 séries. Alors, des Néo. Alors là, c'est Néo Destiny. Ouais, c'est ça. Oui, je confonds pas. C'est Destiny. Alors, Zarbi H. C'est une rare. Hérissandre. Caninos. Tignon. Pomme de pique. Otaria. Limagma. Tournegrain. Marc Cacrin. Alors, ça c'est Neo Genesis. Un crocodile. Je l'aime bien aussi cette carte. Crocodile. Lanturne. Lupio. Granivol. Granivol. Coxy. Misterbe. Fouinette. Fouinette. Inigal. Marc Cacrin. Deux petits Caiminus. Les meumeux. Deux énergies. Ça aussi, en vide grenier, je fais pas tout le temps attention aux énergies parce que chaque énergie, enfin, pas toutes, mais ouais. Ouais, chaque énergie a sa série. Ouais. Ouais, la plupart du temps, je fais pas attention. C'est une erreur. Voilà, deux énergies Genesis. On passe au Néo Révélation, c'est ça. Un Cochignon, un Zarbibé. Ah, c'est dommage, ces deux cartes sont un peu morflées. Ouais. Zarbibé. Capumain. Artichaut, Cornèbre, Rémoré, Snubble, Marc Écrin, Zarbika, Nosferati, Cannes, les Néo Discovery, des Tartes, Chenipan, Titar, Tébugon. On n'a pas souvent de ces cartes. Évolution Tignon, Kikli, Capoeira. Hop. Un Zarbi O. Ah, les roquettes. Abra, Magneti, Férosinge, Misterbe, Psychoquack. Alors maintenant, c'est les Aquapolis, c'est les... J'ai oublié l'autonom. Ah, ça va me revenir. Donc, à l'expédition, voilà. Les Aquapolis. Alors, je vais trouver un granivole.
un Kangourex, Monsieur Mime, Énergie Super, l'expédition, un Kadabra. C'est marrant ces cartes là, quand j'étais gamin je croyais que c'était des fausses cartes avec ces gros bords jaunes. Si j'avais su, j'en aurais gardé plus. Parce que je l'ai refourgué quand j'en avais. Un Smogo et un Piafabec. On va passer au X. Alors, là c'est la série Rouge Feu Vert Feuille. Bulbizarre. Chenipan. Salamèche, Petitard, Otaria, Voltorb, Aspicot, Entretien de Léo, Suppression d'énergie 2, Suppression d'énergie 2. Alors, on arrive à la série Team Aqua vs Team Magma. Ou Team Magma vs Team Aqua. Alors, on commence par un écrapince reverse, un lanturne, Grayena, Lupio, un autre Lupio en reverse, écrapince, Dynavolt, Mediana en reverse, Obali. Manipulateur de Team Aqua, une boule de Team Aqua, cachette de Team Aqua, raclette de Team Magma, machine technique de Team 01 de Team Magma. Alors, on passe à la série Tempête de Sable. Caninos, Ammonita Reverse, Granupio, Mystérieux Fossile. Et voilà, c'est fini pour le bloc X et Wizard. On passe alors ça c'est quoi ça? Ça c'est Pop 1, c'est ça? Ouais, un petit Posipi, un Electek Platine. Ouais, c'est ça, Platine, une secrète de Platine en holographique, un super bon état. Je connais pas la série Platine, mais je l'ai prise parce que c'est une copie du set de base. Alors, set de base, c'est la même. Donc, je l'ai prise. Hop là. Alors, j'ai eu des petites promos. Une Zarbiji. Un Raichu. Je trouve aussi deux petites cartes top. Il y en avait d'autres, mais j'en ai pris que deux. Lamantine, Draco et une petite Mew antique. Elle est pas en super bon état. J'en ai vu plusieurs de Mew antique dans la vie de grenier. Mais celle-là c'était la plus neuve que j'ai trouvée. Voilà. Ah, donc c'était une bonne journée, vide grenier. J'ai pas mal de cartes, de figurines. Assez content. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine pour d'autres vides greniers, d'ouverture de boosters. Salut.